bonsoir à tous. Merci d'être ce soir avec nous. Je suis ravi de vous accueillir pour la deuxième saison des quatre saisons de Premium Peers. On va vous parler ce soir de beaucoup de choses, de la transformation, du changement. Ce soir, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un lieu qui correspond tout à fait à mes souhaits, avec une dimension très collaborative et un niveau vraiment épatant. Notre métier est d'accompagner la transformation digitale des entreprises, le fait de passer à l'acte. Et notre métier, c'est aussi de nous accompagner dans cette transformation-là pour être dans un mode collaboratif, dans un mode on-demand, dans un mode d'usage, dans un mode de partage et de développement collaboratif. Ce qui m'intéresse chez Premium Peers, c'est qu'au-delà de la réflexion intellectuelle, intelligente et avancée, c'est qu'on peut passer à l'action avec Premium Peers. C'est-à-dire rendre ça réel, parce que sinon c'est une réflexion un peu philosophique. Et je suis très heureux pour poursuivre ce pitch, d'accueillir trois personnes, trois guest speakers. On estime qu'aux États-Unis qu'entre 45 000 et 100 000 personnes décèdent tous les ans du cancer pour une raison, c'est que le primo-diagnostic est erroné. Comment vous pouvez nous aider à traiter ce sujet-là? Et donc, c'est là où on a commencé à travailler avec les toubibs du slot catering de façon à regarder comment on peut utiliser Watson dans ce cadre-là. You don't program Watson, you work with Watson. And through your interactions with it, it learns, just like we do. Every experience you give it makes it smarter and faster. La présentation qu'on a eue de IBM Watson était très impressionnante parce que je pensais que c'était encore quelque chose qui était dans des cartons des laboratoires de recherche. Et en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui est dans le domaine public. Là, il fallait totalement réinventer son métier. Il fallait lui permettre de faire des prestations de services qui soient en temps réel, qui permettent de tracer ces prestations de services, qui permettent de générer de la signature électronique. Quand on prend l'exemple de la Poste, donc là, à nouveau, c'était une expérience véritablement concrète et qui était impressionnante. Pas une approche de consultant avec une armée de juniors qui ne connaissent pas les sujets, mais des gens qui ont vécu ça, qui l'ont implémenté et qui ont été successifs dans ce qu'ils ont fait. Ce que j'apprécie le plus dans Premium Peers, c'est la philosophie de la collaboration, du réseau, de l'entraide, de cette logique multiple, de cette capacité qu'ont chacun de créer de la valeur et de la porter aussi aux autres. La présentation qui m'a le plus marqué ce soir, c'est celle qui a concerné la peur. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Quand on parle digital et transformation, on est très souvent lié à la technologie, à la conduite du changement, mais l'aspect émotionnel est rarement abordé. Et c'est un sujet qui m'a intéressé tout particulièrement. Donc il existe 9 peurs. Donc je vais vous les décrire brièvement et puis vous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 9 peurs. La peur de l'imperfection, la peur de ne pas être utile, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur du vide affectif, la peur de l'autorité, la peur d'être enfermé, de ne pas être libre, la peur d'être faible et la peur du conflit. Donc ce sont 9 peurs que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il y en a une qui prédomine et qui va s'activer automatiquement sous stress. Dépasser les peurs et redonner un peu de l'humain dans l'entreprise me touche beaucoup. Un bon élan, un bon dynamisme. Des gens qui veulent vraiment s'attaquer à la disruption digitale. Avec des exemples du vécu, du réel, donc très bien. Des contacts, des projets, des envies de travailler ensemble. J'ai trouvé que cette soirée était à l'image de ce que l'on vend, de ce que Premium Peers propose, c'est-à-dire de l'innovation, de la transformation, de l'originalité, une touche d'humour pour savoir sortir du cadre et voilà, regarder les choses sous un angle différent. C'est un mouvement qui est inéluctable. C'est ce que je dis à chacun de mes clients quand ils me posent la question de ce qu'on fait. Parce que je leur dis, aujourd'hui, vous êtes client et demain, vous serez membre. La transformation digitale est inéluctable. Je vous souhaite une bonne soirée.